Je voudrais vous faire écouter des voices et surtout interpeller les artistes sur leur façon de faire. Parce que quand vous côtoyez des personnes qui ne sont pas de votre catégorie, vous allez toujours subir des mésaventures. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te montrer les dents mais quelqu'un se met à mal parler des autres autour de toi, que tu vas le prendre pour ami. Je vais vous laisser écouter ces voices que j'ai reçues. Le coquille a cuit d'un côté. Vous allez reconnaître les protagonistes. C'est important de vous informer. Parce que j'avais vu ça de loin. Mais les gens qui n'écoutent pas, qui croient qu'ils sont des super personnes, vont toujours subir des choses comme ça. T'es tenant à Yaoundé depuis des années, 10 ans, 20 ans. T'es le terrain de la mythomanie et tout que tu racontes là. 5 ans en arrêt, tu as fait quoi? Moi, Nyangono Marie, reine. Ntomongwa Nimbani, princesse. Je suis ancrée chez toi, avec mon étoile. J'ai ma poussette, mais je suis ancrée derrière toi avec mon étoile. Anan, regarde ce que tu as bâti. Tu as sorti combien de chansons? Tu as monté un cabaret qui tourne sans à l'heure. Tu as pu construire la maison et tout, machin truc. Que depuis des années, tu es là, on t'insultait partout. Toi, tu as dit, tu ne vois pas la personne qui est derrière toi, que tu peux faire ça parce que tu as l'esprit posé. Parce que tu peux faire confiance aux gens. Dès que tu as fini de faire ça, tu vois que tu es déjà bien, tu es assise. Tu veux commencer à dégager les gens comme ça. Et c'est que ce n'est pas seulement à moi, tu fais ça. Même à Yaoundé, tu fais ça aux gens même qui sont proches de toi. Et ça, je suis au courant. Voilà la preuve, celui qui t'a aidé, Serge, qui t'a aidé à ouvrir ton cabaret là, que tu disais que vous allez vous marier. C'est sa mère qui fait ci, tu fais ci, tu fais ça. Tu me ramènes un autre maintenant que tu présentes que c'est déjà ton gars, vous allez vous marier. Il est bambité, il bamba. Tu vas attraper le sida. Tu vas attraper la maladie dehors. Tu as déjà abandonné celui-là. Oh non, il a beaucoup d'enfants. Celui-ci, il a seulement une fille, c'est lui. Il est le colonel de Paul Biya. Tu connais le nombre de colonels de Paul Biya que j'ai dans ma famille? Ni seulement le faire part du deuil de mon oncle, le seul qui me restait. Peut-être que tu me prends passer dessus dehors, là, tu ne sais même pas de quelle famille. Le coquille a cuit d'un côté. Ni le faire part de mon oncle, le seul qui me restait. Tu vas lire les gens qui sont... Tu sauras que dans la présidence, là, c'est ma famille qui est assise là-bas. C'est pas dehors. Ils me tapent la bouche dehors. Même au Cameroun, tu peux me faire quoi? Les gens, là, ce sont tes chauds, hein? Mais moi, j'ai ma famille là-bas. Les gens, là, ce sont tes chauds. Je dis que tu me tentes, c'est moi-même qui vais appeler mes tantes pour leur dire que tu sois avec leur mari. Je vais te mettre le feu aux fesses. N'importe quoi. Coquille a cuit d'un côté. Dieu ne peut te surprendre venant de moi. Tu crois que moi, ça me surprend? Tes histoires que tu te lèves, tu me tentes là. C'est parce que tu crois que tu es avec mes ennemis. Je suis avec tes ennemis en solo. Mais fais-toi une personne qui ne parle pas. Parce que toi, quand tu parles, t'assois à mes ennemis, tu viens, tu me racontes. Je suis là, je ris avec toi. Moi-même, je collabore avec tes ennemis, mais en solo. Comme je vais te frapper, tu ne vas pas me voir venir. Tu ne sais pas. Va sur ce terrain, parce que depuis, elle te dit que n'entre pas sur le terrain là avec moi. Tu appelles même celle que tu dis que c'est notre mère. Si ta Lisette, elle te dit que ne fais pas ça. La fille a gardé tes enfants. La fille a soigné tes enfants. Ne fais pas ça avec ta soeur. Ne pars pas sur ce chemin-là avec ta soeur. Comme tu vas entendre que tu es une star, tu es une diva, tu commences à toucher l'argent, petite ingrate, que l'argent même. Obligé de partouzer, aller en partouze dans les trucs au bord de l'eau avec les ministres la nuit. Les dépenses, tu es quoi? Tu as entendu que moi, on a fait les partouzes pour avoir l'argent. Minalmi, il va te laver. Pour le laver, là, on sait qu'elle va te laver. Tout le monde attend ça. Elle va te laver parce qu'ils ont déjà attendu ça. Elle va avoir au moins 1 million de vues sur ma page. Facebook va me payer. L'argent que tu dois me payer depuis là. N'importe quoi. Encore sur ce terrain-là. Tout seulement à mon caleçon là-bas ou bien à ma chaussure. Cette maison, c'est ma maison. J'ai les preuves. Quand tu as une preuve que tu payes quelque chose là, c'est tes chauds qui payent les factures de gauche à droite. Et tout. Montre-moi, tu as un compte en France. Tu as un compte, tu penses, tu as un compte. Oubliez le jongler quand tu peux récupérer l'argent là-bas, tu récupères l'argent là-bas, non, versez, vous payez, tu oublies le jongler comme ça. Mboual. Hein? Le coquille a cuit d'un côté. Il veut publier, ok? Tiens, maintenant, publier, ok? Il va te publier. Et c'est un truc, prends ton mal en patience. Le jour qu'il va ramasser toutes mes choses.
et que je vais sortir de là, m'installer bien, je serai déjà bien. Tu n'as même pas Moi, je intérêt à faire que veux. ma tête chauffe ou bien ma tête jette l'air ou bien que j'apprenne un truc que tes copines ou bien tes copains ont parlé dans un milieu à Paris parce que je reviens à Paris, là, j'ai les oreilles partout. Je suis avec les vrais divas, les vraies stars, les vraies filles qui sont belles du pied à la tête, qui ne font pas le dansant et tout. J'entends ça là, je verse tout. Toutes tes choses seront au courant. Mes oncles, la maman, elle veut venir au Cameroun m'asseoir chez eux, raconter même à leur femme. Tu me connais? Tu me connais? Les matelas par terre sales, les têtes de poisson partout. Je dis que j'ai tout. Je vais mettre tout ça en public. Touche seulement à ma chose. Tu je viens, je trouve que tu as mis ma chose ou bien la chose de mon enfant à la cave, elle dit. Touche seulement à ma chose. J'ai tout. Ça, c'est la première vidéo d'abord qu'elle t'envoie quand elle nettoyait ta pourrie maison. Voilà où tes enfants dormaient. Les vieux matelas superposés. Tu partais, tu es une personne, toi? Tu achètes les choses que tu prends maintenant, prendre sur le bon coin partout, que les vieux blancs sont morts, ils dorment sur ça. Que tu amènes pour que les gens dorment sur ça. Toi, tu parles à qui? Tu es Donc, zéro, qui a pu d'un côté? Tu ne vois rien. C'est grâce à moi qu'en un an là, tu as pu monter tout ce que tu as monté là. 20 ans, tu as les copines. 25 ans, tu as les copines. Tu as ta famille. Tu as fait quoi? Merde. Mais je suis arrivé sur toi. Un an et demi que je suis derrière toi, tu as bâti tout ce que tu as bâti là, tu as monté. Si tu es ingrate avec moi, Lady, je te jure que je prie le vrai Dieu. Il dit que même le feu va prendre, tu vas tout perdre et en une journée. Ne fais même pas que je me fâche contre toi. Comme je suis énervée aujourd'hui là, prie que quand je vais dormir, ma colère baisse. Je prends mon chapelet, je tire mon chapelet, mon cœur baisse. En un an, tu as utilisé mon étoile. Mon esprit, ma force, ma bravoure pour monter tout ce que tu as monté là. Parce que j'étais derrière toi. Je te soutenais avec le bon cœur. Je buvais les caca. Je buvais les pipis. J'ai pris mon argent. J'étais fait un anniversaire. Mon argent. J'ai préparé la nourriture. J'étais habillée. Pour laver ta mémoire que ton mari avait sali. Il avait mis les caca sur toi. C'est sur moi que tu veux chier. C'est moi, sur moi que tu veux manquer de respect. Que mon Dieu te punisse. Qu'il te fasse perdre tout. Quand tu m'insultes que moi je n'ai rien là. Qu'il te fasse perdre tout. Et il va te faire perdre tout. Si tu ne me demandes pas pardon. Moi je ne suis même pas Dieu. Hein. Demande pardon à Dieu. Que ma colère baisse contre toi. Parce que ce qu'elle va te faire. Lady. Transfère le message à qui tu veux. Envoie même à Dieu dans le ciel. Il sait que c'est parce que je suis derrière toi depuis un an que tu as pu faire tout ce que tu as fait là. Maintenant, tu ne te demandes même rien. Parce que dans ma vie, j'ai tout eu. Et je te dis, tu veux que ce que j'ai eu dans ma vie là, proprement, c'est un homme qui me donnait. Et n'était pas le matelas de la République que je couche avec les vieux de gauche à droite. Je couche avec les jeunes de gauche à droite. Je suis fiancée au moins avec trois gars. Et tout. J'avais un million qui me donne 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Je pars au Cameroun, je fais. Je m'assois parce que j'ai décidé de m'asseoir, faire mon enfant quitter un peu le monde dehors parce que j'avais déjà abusé. Que tu vois que toi, tu m'as rencontré, que tu peux même parler n'importe comment maintenant. Même dans ma galère, là, Lady, tu m'as déjà donné 500 euros pour acheter à manger un jour. Hein? C'est tout, t'es chaud. Quand ce n'est pas Pierre qui envoie là-bas, c'est Paul qui envoie là-bas, c'est l'autre qui envoie là-bas. Le loyer, même le loyer, tu as une facture à ton nom? Hein? Mon passeur va te demander au tribunal que montrez-nous un peu où le loyer est payé de votre compte. Mais moi, je vais montrer comment le téléphone est payé de mon compte et l'électricité est payée de mon compte avec mon nom. Les voisins me connaissent. On m'a vu affronter les dealers là. Les dealers, les vendeurs de drogue là, montage, ils les disent. Tu as me dit ça. Mais les armes et tout, venez avec les armes sur moi. Qui fait ça à qui? Qui me fait ça à qui? Mais avec mes ennemis, je ne te défends pas, hein. Mais ne traverse pas la ligne rouge jusqu'à ce que tu me manques de respect ou bien tu me mépriser comme tu me méprises. Tu es malade, toi. Tu es malade. Tu es arrivé quand dehors? Tu es arrivé quand? Tu as commencé à chanter hier, yeah, yeah, là et tu es arrivé dehors. Hein? À cause de ton mari qui est mon ami, je me suis mise tous les fémans sur le dos. Mais maintenant, tu as mis avec les fémans là. Et tout, tu me fais passer pour la mauvaise. Et tout. Mais ne t'inquiète pas. Et me mettre même à genoux sur Facebook pour demander pardon à Cyclone, juste pour te montrer que je suis un serpent à 10 têtes. Vers de 18 ans, j'étais dehors, Lady. C'est un colonel de l'armée française qui m'amène ici en bain. Je n'ai pas fait la pute comme tu vois là, comme toi tu es en train de faire la sale pute là. Je n'ai pas fait ça.
Parce que ta position, là, on t'appelle matelas de la République, là, c'est vrai. Il dit que ancre dans ça avec moi. Touche à ma chose seulement, tu mets à la cave, comme tu as dit là, que tu vas mettre mes choses à la cave. Tu vas plier mes choses, tu vas mettre à la cave. Cette maison-là m'appartient. Je vais sortir de là quand moi-même j'aurai envie. D'accord? Et je suis dehors pour chercher ma maison. Une maison qui me convienne, qui peut contenir toutes mes affaires. Je viens là, je trouve que mon verre est cassé. Je vais facturer ça. Une assiette cassée, je vais facturer. Tu n'as pas les assiettes où tu es là. Tes assiettes, c'est les verres rouges. Même les cuillères, tu n'as pas. Toutes les cuillères, tout ce qui est là m'appartient. Ce que tu allais porter dernièrement dans les brocantes, les choses, des vieux blancs là, que tu as déposé chez toi partout, partout là. Et tous les trucs à 10 euros, 5 euros. Toi, tu es une fille, toi. Tu as vu mes assiettes, c'est du vireux et boc. Ce que tu utilises pour nourrir ton show que tu as ramené du Cameroun, c'est 100 euros l'assiette. Va taper sur internet, tu regardes. Tu vas regarder. Collection Viva et Box, c'est 100 euros l'assiette. Toi, tu peux me parler? Hein? N'importe quoi. Une personne reste enfermée avec tes enfants. Oui, j'ai soigné le Covid à ton enfant. Ton fils a eu le Covid. Il était la seule qui entrait dans sa chambre. Les hypothèses. La seule qui entrait dans la chambre de ton fils qui avait le Covid. J'ai choqué. J'ai mis ma vie en danger pour tes enfants. Que Dieu te punisse, ou bien que ton diable que tu pries là te punisse, qu'il te prenne, tu brûles en enfer. N'importe quoi. Alors que j'ai un sérieux problème. Parce que vous êtes souvent ici dehors, que vous voyez les gens. Une personne fait tout pour être gentille avec toi. Il t'a dit qu'elle était prise comme une petite soeur. J'ai pris les coups pour toi. Aucun de tes enfants ne va dire que je l'ai maltraité là. Les enfants sont en train de je ne dors pas la nuit. Je me lève, les enfants vomissent. Je pars ramasser les vomissures des enfants. L'autre a le Covid, c'est moi qui ancre là-bas dans la chambre, je le soigne. Lady Ponce, c'est toi qui peux te lever. Tu me parles à moi, Nyango, non? Hein? Tes enfants ont eu leur premier arbre de Noël, c'est moi, Nyangolo. Tu nous as envoyé l'argent à Noël. Tu as acheté un cadeau à deux enfants. Angèle, tu as acheté un cadeau. Marcel, tu as acheté un cadeau. Tu as commencé ta sorcellerie là depuis décembre sur les enfants. J'ai acheté un arbre de Noël, j'ai fait à manger pour que les enfants aient un repas familial. Tes enfants, moi, tu ouvres la bouche chez moi. Mais tu es malade. C'est toi qui as un sérieux problème. Moi, je vais très bien, hein. Je vais très bien. C'est toi qui as un sérieux problème. Et je te dis qu'après moi, quand je vais sortir de ta vie là, change avec les gens. Parce que tout le monde n'est pas comme moi. Tu as une personne que tu vas aller faire comme tu fais là, qui va finir avec toi. Ça, je te le jure. Tu es très ingrate. Maintenant, les Togolais que tu as pris, que tu avais eux dans ta maison là. Eux alors là, ça va sans dire que tu marches, ce que tu aimes là. C'est ça qui va te finir. Comme tu aimes l'ingratitude là. Tu es maintenant avec le type de truc que tu montes, tu descends, c'est lui et tout. Quand tu vas disparaître, là, tu vas bloquer ton téléphone, il t'écrit même, tu ne réponds plus. Tu ouvres ta grande gueule là et tout, machin, tu gagnes. Il va te finir. Comme il entre chez toi là, il met ses tentacules. Il entre chez toi. N'oublie pas que j'ai un enfant chez eux. Ne l'oublie jamais. C'est parce que le père de mon enfant est loin. Le jour qu'il va voir son frère, il va tout dire à son frère. C'est toi qui auras honte. C'est toi qui auras honte. Hey. Comment que tu veux m'amener là? Même mon père ne pourra pas sortir de sa tombe pour me contenir. Si tu connais, mets-toi seulement loin de moi. Tu attends seulement, tu pries seulement ton diable ou bien tes démons pour que je vienne récupérer mes affaires, qu'il n'y ait même pas d'accrochage ou bien qu'on ne se chamaille pas. Parce que où je suis là, j'ai la haine, la rage. La rage. Donc tu me fiches la paix, tu me laisses dans mon coin tranquille. Fais mes choses tranquillement. Tu ne me mets même pas la pression. Tu ne me tentes même pas. Parce que moi, je n'ai pas honte de te le dire en face ou bien t'avertir face à face. Et t'avertis et personne ne va m'arrêter. Je dis bien personne. Donc, prie tes démons ou bien prie ou ta secte où tu es parti entrer là et tout. Quand tu t'en fous de tout, tu balais tout. Tout le monde peut entrer dans ta secte là. Je dis, tout le monde peut devenir pire que toi. Moi, je peux le devenir. Il peut devenir pire que toi, il peut faire les mauvaises choses dehors que tu ne connais même pas. Donc, prie ton diable ou bien prie ton quoi que je vienne seulement porter mes choses de chez toi.
Je viens d'avoir le numéro de puce, le numéro de Serge, le numéro de tous tes gars que tu baises avec dans ton cabaret là. Même celui qui vous a loué le terrain, on a dû aller prendre l'argent pour louer le terrain. Ouais. Tu as quoi? Pense à Titi, pense à Titi, ça t'appartient. Ça t'appartient. Tu m'as bloqué de l'autre côté, non? Tu peux me bloquer de ce côté. Si je suis sur toi, tu vas arriver au Cameroun, tu vas. Je vais te mettre le feu au cul dans ta vie. Que ce soit ici ou au Cameroun. Je te colle un procès au cul. Tu sais ce que c'est qu'avoir GDF à son nom ici en France. Tu as ton nom sur une facture là. On te connaît à l'école. On te connaît ici là à Montargis en tant que machin truc nanana. On te connaît là à Villemandeur. À la mairie, c'est moi qu'on connaît. Je vais te traiter, je vais te montrer que l'habit de l'ingratitude, comme tu portes là, comme on vient de me dire que tu portes l'habit de l'ingratitude, que tu es ancré dans les sectes depuis des années là, que même quand tu es nu, même quand on couche avec toi, tu es bizarre au lit, comme tu es bizarre dans ta vie là. J'ai tous les détails sur toi, Lady. J'ai tous les détails sur toi. Et dis-moi là, tu ne vas pas me tuer comme tu as tué les autres, les bobans, tout ça et tout. Ils sont morts parce qu'ils étaient des cons. Tu es là tout le temps, tu sors les larmes de crocodile. Hé, boban, la femme des bobans a fait que machin, tu alors que tu l'as tué. Il dit bien que même les hommes qui couchent avec toi, que tu ressembles à un serpent au lit. Il dit qu'effectivement, tu as un serpent parce que tout le temps, tu racles les peaux de tes pieds là. C'est les pieds de serpent. Moi, tu montes sur moi. Moi, ton gigolo que tu as amené, que le gars de Seigneur de Tuy là. Il a mis son agent et qu'il peut se suicider là-bas au Cameroun. Je vais l'appeler ce soir. Je vais lui dire que tu es ici avec un homme. Lady, on va se faire ça avec les mains, face to face, si tu veux. Il t'a dit que n'entre pas sur le terrain là avec moi. Quand j'appelle quelqu'un que membre de ma famille, petite soeur, ou grande soeur, ou machin, c'est le respect. Si tu vas ancrer dans le haut, là, que tu ancres dans ta secte de satanisme là que tu as porté. Un vilain rempli de sorcellerie, de démoniaque là. Sois loin de moi. Fallait continuer dans ton hypocrisie là avec moi. Que je porte mes choses tranquilles, je sors de là. Ne n'entre même pas dans le mépris. Parce que là, je suis encore chant avec toi. Et je vais te toucher où il faut. Je dis bien que les puces, celui qui blesse le poulet sur toi, qui fait le sport là-bas chez toi avec qui tu as couché. J'ai tout de toi. Et je ne fais que prendre. Même mon père Ngongo, je vais l'appeler. Ça, c'est mon grand frère, même Bernard, qui a me donné son numéro. Mais il va lui parler en anga. Oui. Il va te montrer que dans la vie, là, quand tu portes ton vêtement d'ingratitude, là, il ne faut pas être ingrat avec tout le monde. Il ne faut pas traverser certains. Tu vas regretter que je te présente les gens. Tu t'assois maintenant avec eux, tu t'associes avec eux pour me détruire. Moi, je vais te détruire inside. Les gens que tu avais à montager, ils m'en foutent, ils ne sont rien dans mon système. D'accord? Ils ne sont absolument rien dans mon système. Ils veulent te détruire de l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Ils veulent t'exploser comme ça, là, comme une bombe de l'intérieur. Prends mon voice. Si moi, je prends ton voice, j'envoie à tout le monde. J'envoie à Docteur, j'envoie à Théo, j'envoie à tout mon répertoire déjà. Ça va aller où ça va aller. Voilà. Transfert. Si tu veux, tu me rebloques le seul numéro si j'en ai rien à foutre. Là, je suis en guerre avec toi. Depuis des mois, je te dis que ne me cherche pas. Ne me cherche pas. On cherche une personne qui a raté sa vie, comme tu dis. Comme toi, tu es arrivé. Tu as quoi? Tu peux filmer les maisons, les shows et tout. Tu dis que c'est le chez toi. C'est le chez toi où? Une maison, tu dis que tu construis les meubles bas, c'est un autre show qui a construit le haut. Maintenant, c'est un autre show, machin. Tout l'autre show, là-bas, il pleut. Il attend que tu vas te marier avec lui. Toute la famille au courant. Tu as apporté un autre, tu as amené en France. C'est lui qui vient d'aller donner les ordres qu'il faut chasser tout le monde. Je vais appeler Serge ce soir, trop tard demain. Je vais l'appeler. Je vais lui dire que tu es ici avec un autre homme. Je vais tout lui raconter. Tout ce que tu as fait à Théo. Toutes les factures, tout. Je vais tout envoyer. Oui. Le coquille est cuit d'un côté. Aïe aïe. Coucou. Sans commentaire. Ainsi va la République. J'ai quitté Facebook. Les nouvelles me trouvent chez moi. La terre tourne. Bonne journée. Je voulais vous informer que j'ai reçu les voices.